Hugues. Hey, c'est MacFunman et aujourd'hui je vous parle du YouTube Space. Alors beaucoup vont me demander, mais qu'est-ce que c'est le YouTube Space? Alors tout simplement, le YouTube Space, c'est un endroit où c'est créé par YouTube, YouTube Google, et en fait ça vous permet de voilà, d'avoir des formations en vidéo, en son, avoir du matos, en maquillage, en production en quelque sorte, pour vos vidéos YouTube. Alors vous allez me demander, waouh, mais on trouve ça où? Je connaissais pas, putain, mais pourquoi on me l'a pas dit? Alors tout simplement, ça se trouve, à la base, ça ne se trouve pas dans en France. Donc il y en a à Los Angeles, il y en a à Londres, il y en a à Tokyo, à New York, Sao Paulo, à Berlin, à Mumbai et aussi à Paris. Voilà, il y en a un qui vient de s'installer à Paris et là, été ouvert, je crois bien, c'est jeudi, là, été ouvert. Ils l'ont inauguré avec des gros YouTubeurs. Il y avait des gros YouTubeurs qui étaient présents, voilà, tout simplement pour inaugurer le YouTube Space. Alors le YouTube Space est accessible à partir de 1000 abonnés, c'est-à-dire que si vous avez en plus plus de 18 ans, YouTube marque ça. Il faut ne pas avoir d'avertissement pour copyright sur sa chaîne ou les conditions d'utilisation, c'est-à-dire pas de strike, je pense, ça veut dire ça. Et participer à l'orientation Unlock the Space, Unlock the Space. Donc, qui est en fait une sorte de session pour vous former et vous apprendre en quelque sorte le règlement du YouTube Space. Donc c'est-à-dire pour pas qu'il y ait des gens qui foutent la merde. Et grâce à ça, si tout est validé, vous pourrez accéder à des plateaux de tournage équipement de pointe, donc c'est-à-dire des caméras, des studios de vidéo, des studios de son, accès au programme de production de plateau, formation avancée, à des formations, c'est quand même dingue, des formations, qu'on puisse faire des formations grâce à ça, et des projections à événements exclusifs. Mais voilà, ça vous permettra aussi de rencontrer des experts, et ça, c'est tip top. C'est pas bête de créer ça, comme ça, ça peut aider des youtubeurs qui n'ont pas forcément beaucoup de matériel, et surtout, c'est à partir de 1000 abonnés. Donc, c'est-à-dire, si vous avez 1000 abonnés, 1200, 1400, 2000, et bah, vous pourrez y accéder si vous avez plus de 18 ans. Franchement, c'est génial, et je pense que je vous conseille de faire ça. Après, je ne connais pas le système, je connais pas vraiment le truc, j'y suis jamais allé. Bon, ça vient d'ouvrir il n'y a pas longtemps. J'ai su la nouvelle il n'y a vraiment pas longtemps. Et ça peut être vraiment super génial. Voilà, c'est à vous de voir si ça vous plaît. Ça se trouve à 8 rue de Londres, à Paris. C'est vraiment un chouette projet parce que je me dis qu'on va pouvoir aussi, vous pourrez rencontrer d'autres youtubeurs. C'est-à-dire rencontrer d'autres youtubeurs que vous ne connaissez pas. Pas forcément, c'est cool d'avoir le contact comme ça en vrai. Donc quand je dis contact, c'est vrai que le contact, il y en a qui penseraient à « Ouh, contact, j'adore le contact, merde !» C'est juste que l'humain est faible normalement pour se parler en vrai. Et moi, tout le temps, bon, je suis assez jeune, donc des fois je me dis « Putain, j'aimerais bien rencontrer des abonnés que j'aime bien. » Voilà, j'aimerais bien rencontrer mes abonnés pour les voir en vrai, parce qu'en vrai, c'est toujours mieux en vrai. Et on se le cache pas, c'est toujours mieux en vrai. Je dis pas que j'aime pas ma chaîne, mais comment dire, j'adore les vidéos, j'adore construire des vidéos, j'adore les films, j'adore tout ce qui est série, c'est génial. Mais après, au niveau du contact humain, au niveau de la parole, c'est toujours mieux en vrai. Voilà, j'espère que maintenant vous saurez qu'est-ce que c'est YouTube Space. Je vous dis à la prochaine. La prochaine vidéo sera un rap. Et ensuite, il y aura la FAQ. Voilà, ça c'était une petite vidéo intermédiaire pour vous parler d'un sujet d'information par rapport à YouTube. Et je me disais que voilà, je devais faire cette vidéo, comme ça vous êtes tous au courant. Allez, ciao, c'était MacFunman au microphone. Rejoins-nous en t'abonnant à la chaîne et viens chercher ce qu'Ive s'est perdu avec nous en cliquant sur la vidéo.